En arrivant en Suisse en 1916, j'avais déjà écrit des poèmes et tout mon intérêt était pour la poésie. Évidemment, ce n'était pas une poésie telle qu'on l'entendait à l'époque, c'était évidemment une poésie moderne. Apollinaire m'était déjà tout à fait familier, ainsi qu'Alfred Jarry et d'autres écrivains qui étaient de l'avant-garde à cette époque-là déjà. Nous avions vu le cubisme, il y avait le futurisme, il y avait l'expressionnisme, enfin il y avait un souffle de modernisme qui soufflait à travers l'Europe. You said that there was a modernism in Europe, but that didn't prevent you from saying that Dada wasn't modern. What did you mean by that? Oui. Dada n'est pas moderne, nous l'avons dit exactement au moment du congrès de Paris, parce que Dada était assez anarchique. Et le modernisme, à l'époque, tendait à devenir un dogme, une sorte d'institution, si vous voulez. C'est-à-dire, il y avait la revue L'Esprit Nouveau, le modernisme s'appliquait en architecture, en peinture, et ce qui nous intéressait, nous, c'était l'esprit même des choses et de la vie que nous voulions exprimer. Or, moderne avait un sens péjoratif. Pour nous, c'était presque une insulte de nous appeler modernes. You were against conventions in general. Exactement, exactement. Contre toutes les conventions, contre toutes les théories et contre tous les dogmatismes. Yes, you've used the word dialectical there. I wonder if you could try and link up Dadaism with Marxism, with which you became associated later on. It seems somehow that there's a contradiction between both a Dadaist at one time and perhaps a Marxist at another. Oui, c'est exact. Mais à l'époque, nous n'avions absolument aucune notion ni de marxisme ni de politique. Ceci s'était fait beaucoup plus tard, et ce sont les surréalistes, surtout, qui ont voulu faire la connexion entre la littérature, l'art en général, et le marxisme et le freudisme. Mais du temps de Dada, ce sont des problèmes qui ne se posaient pas, et c'est pour cela, du reste, qu'on peut considérer le mouvement Dada en général comme une sorte de mouvement anarchique, où l'individu s'exprimait lui-même, mais sans vouloir arriver à une théorie general. In yourself, how would you explain the transformation, the shifting from a very individualistic point of view to a more political one, more concrete one? Ceci est le fait surtout des surréalistes. Le surréalisme a commencé vers 1924 à Paris. Et évidemment, ce n'est pas moi qui étais un des agents les plus importants. Vous le savez très bien que c'est Breton qui a écrit les manifestes à l'époque. Mais il faut dire que vers 1924, on a tendu vers une sorte d'objectivation, tandis que Dada était extrêmement subjectif encore. Et la révolte de Dada était embryonnaire, était diffuse, n'avait pas un but précis, scientifiquement définissable. C'est évident que vers 1924, au moment de la guerre du Maroc en France, les surréalistes ont pris position contre le nationalisme français de l'époque, et peu à peu, on commençait à discuter de ces problèmes qui sont d'ordre social, qui sont le marxisme, etc. Mais Dada était très individualiste et ne concevait pas son adhésion au communisme à l'époque. So you would say that Dada, in other words, has considerably changed? Non, il n'a pas changé, puisque le surréalisme est encore autre chose que le dadaïsme. Mais on pourrait dire que Dada n'était pas une école ni une direction, c'était vraiment une aventure.